satisfait du résultat, hein, tu sais. On en est toujours dans notre histoire de maintien. Hein. De toute façon, on est, cette saison, c'est pour ça. Donc, le maintien est notre priorité. On a un championnat. Aujourd'hui, on recevait Dijon. Effectivement, ils sont dans le même championnat que nous. Donc, c'était important. C'est vraiment important de pouvoir prendre des points ce soir. Après, sur le contenu, il y en avait un petit peu plus. Mais chaque match a une histoire différente, hein, que ce soit Metz ou Angers. Metz, on avait un bloc peut-être un peu plus bas, c'était un petit peu différent. Là, on a joué d'une manière aussi différente, donc c'était une autre histoire. Voilà. Et effectivement, on s'est créé des occasions, notamment peut-être plus en première mi-temps. Et c'est en deuxième mi-temps qu'on a été le plus efficace. C'est quand même plus agréable de gagner comme ça, avec un peu plus de contenu qu'il y a que le dernier match à lever. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ben oui, non, mais on cherche tout ça. Hein. Nous, on a envie de gagner avec la manière. Voilà. Ça, tout le monde a envie de faire ça. Après, il y a beaucoup d'aléas. Il y a la tactique, il y a l'adversaire. Bon, adversaire athlétique, quand même, ce soir, qui est plutôt sur des notes positives depuis un bout de temps. Donc, c'est pas anodin, hein, la victoire contre Dijon. Ce soir, c'est une belle victoire, ça c'est clair. Après, la manière, on veut toujours faire mieux pour faire du spectacle. Moi, je suis le premier à le dire, le football, c'est du spectacle. Parfois, on peut, je pense que là, il y a eu des choses intéressantes. Mais l'essentiel, c'est de dégager un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il était là ce soir encore une fois, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vraiment un effectif complet, des garçons qui sont proches les uns des autres en termes de valeurs, qui sont différents. J'ai pas de blessés, et ce qui est très très bien. Et les choix sont pas toujours faciles, mais ça laisse voilà une certaine liberté de choix effectivement, mais c'est pas toujours simple non plus. Mais moi, ce que je vois, c'est que les garçons quand ils n'ont pas joué depuis un bout de temps et qu'ils rentrent et qu'ils sont performants, ils sont dans l'état d'esprit. Voilà, je sais que là, avec ça, on peut voyager. Ça, c'est important. Avec un 4-1-4-1, avec votre très bas. Ouais. Comme ça. Si, à Angers, il était sur la deuxième mi-temps. Il a été comme ça. Voilà, on avait besoin de bateau un peu pour relancer. Et puis, sur le premier but, sur. La genèse de ce but, il est présent sur une passe qui est importante, qui casse les lignes. Donc on avait cherché ça, et puis après il était loin d'être fini, le but effectivement, mais on voit un geste magnifique derrière de Paul Lanne. Ça veut dire qu'aussi on commence à prendre une certaine confiance, quoi, on tente des choses. On a vu Charbot tenter des lobes aussi, ça veut dire voilà, il faut tenter, je leur demande de tenter, et quand ça réussit effectivement, ça fait lever le stade. Oui. Comme tu le dis, t'as un groupe qui est au même niveau. Est-ce que c'est purement sportif ou tactique du soir? Oui, il y a de la tactique. Et puis après, il y a aussi ce que je vois moi dans la semaine et sur les entraînements, sur les états de forme. Il y a des garçons qui taffent depuis le mois de juillet, qui jouent beaucoup. Ils sont peut-être plus fatigués que d'autres. Donc Mathy reste un élément très important du groupe. Quand il est là, c'est lui le capitaine. Donc ce soir, il n'était pas là, il devait rentrer, et puis au dernier moment, il n'est pas rentré. Mais voilà, il est lui aussi dans l'état d'esprit comme les autres. Et ça forme, j'allais dire, un groupe solide. Quoi, là. En sachant que bon, on est sur une semaine à trois matchs et que les deux matchs qui arrivent sont importants. Voilà, on va se déplacer à Amiens. On sait que Amiens aussi est proche de nous et que ce sera un match important et j'aurai besoin de tous les garçons. Je le répète à tout le monde, notamment au groupe, chaque semaine. Et quand on fait appel à eux, il faut qu'ils soient présents. Voilà, jusqu'à présent, c'est plutôt pas mal. Et en plus, les remplaçants, quand ils sont là, même s'ils jouent 10 minutes, ils sont présents, ils amènent quand même un plus. C'est ce qui nous maintiendra en Ligue 1. En plus, on a des fois vu dans la gestion un petit peu des temps faibles. Il y a plus une sérénité derrière au bout du terrain.
On l'a vu déjà, ce que tu dis, tu as tout à fait raison. On l'a vu déjà apparaître à Angers, avec des garçons comme Ludo et Paul qui ont un vécu en Ligue 1 et qui amènent un petit peu un plus ouais, sur la maturité. Ouais. Effectivement, ça, je pense que ça aide aussi les garçons qui sont plus jeunes, qui découvrent la Ligue 1. Ça les aide et ça aide l'équipe parce qu'ils ont. Ils ont ce ressenti, ce vécu surtout qui est important et qu'ils arrivent à transmettre quand ils sont sur le terrain. Bah déjà, vous m'apprenez qu'on est à la cinquième place, je n'ai pas regardé le classement, donc ça c'est bien. Ouais. Mais déjà, il y a des matchs demain. Nous, ce qu'on veut, c'est. Voilà, moi je reste vraiment. Je connais le football, hein, ça va vite d'un côté et de l'autre. J'en ai fait la meilleure expérience il y a quelques temps. Donc, non, nous, on sait pourquoi on est là. Si on doit gagner, voilà, on gagne, on va chercher encore à gagner tous nos matchs. Mais les pieds sur terre, on reste les pieds sur terre. Donc, l'importance, oui, c'est important parce qu'il faut que tout le monde garde les pieds sur terre. Donc, ça, c'est mon message. Vous aviez dit avant le match que vous n'étiez pas revanchard par rapport à votre ancien club. Du Est-ce que vous tout. avez un sentiment particulier quand même? Non, 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 je sais pas, non, non, moi c'était sincère quand j'ai dit que j'étais pas revanchard là-dessus. Non, non, moi je suis passé à autre chose, je suis vraiment dans le projet de Brest. Voilà, c'est un club qui a eu une histoire, c'est voilà, de faire partie de l'histoire, de redémarrer une autre histoire avec ce club-là, voilà, je suis à fond dedans. Donc c'est ma priorité. J'étais à Dijon, j'étais très heureux à Dijon, voilà, avec. Là, je remercie aussi et encore les supporters. Ça me touche beaucoup. Et c'est pas évident. Donc, vraiment sincèrement, je le remercie. Aujourd'hui, voilà, c'était pas une idée de revanche. On m'en a beaucoup parlé, mais j'ai pas revanchard parce qu'en fait, j'aime beaucoup de monde dans ce club. Voilà. J'ai eu des relations très sincères avec beaucoup de salariés. Donc je l'ai dit beaucoup dit cette semaine, je le redis encore une fois. Ouais, ben c'est touchant, sincèrement, c'est vraiment touchant parce que je sais que je me suis vraiment investi au DFCO et je pense qu'eux s'en sont rendus compte, comme beaucoup. Et eu l'esprit, voilà. Donc, je savais qu'il y avait ils ont ce sentiment, voilà, de reconnaissance et de le dire, de le montrer, c'est bien aussi. Voilà, donc moi, de mon côté aussi, je leur dis que voilà, j'ai passé de très bons moments avec eux et que je suis reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait et qu'ils vont faire encore pour ce club. Comment vous avez vécu l'épisode du VAR en deuxième mi-temps? C'est long, ouais. C'est les questions qu'on nous pose. C'est long. Voilà, moi, le VAR, c'est nouveau, hein. C'est nouveau, il est jeune encore, donc ça veut dire qu'on va certainement s'améliorer. Alors c'est vrai que c'est long, et puis voilà, il y a une décision qui est importante derrière, qui est importante. Donc je pense que tout le monde prend mille précautions avant de décider. Même si, même moi, je l'ai revu à la fin du match. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident qu'il y ait vraiment une faute parce que derrière faute, il peut y avoir pénalty, rouge. Voilà, c'est le match peut basculer aussi là-dessus. Donc, il faut qu'il y ait le minimum d'erreurs. Donc, j'ai toujours moi milité pour qu'il y ait un minimum d'erreurs et maximum de justice. Il faut attendre un peu plus. Je sais que le public s'impatiente, nous sur les bancs, ouais, aussi. Mais voilà, c'est pour l'instant, c'est comme ça. Mais je pense que certainement, on s'améliorera. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait le minimum d'erreurs. Ouais, c'est une grosse désillusion. Tant sur enfin, plus sur le enfin, sur le contenu. Parce que je pense qu'on était, pauvres ce soir. J'ai trouvé pauvres sur beaucoup de plans. On n'a pas proposé grand-chose. On a manqué de sérénité, donc c'était beaucoup trop peu pour espérer faire un résultat ici. Alors déjà je trouve qu'on a manqué beaucoup de concentration en première mi-temps, des corners à deux joueurs rapidement qu'on ne maîtrise pas, des touches aussi qu'on ne maîtrise pas. Je crois que j'ai des jeunes joueurs là qui ne prennent pas conscience finalement de la situation.
les doigts dans la prise, il va falloir qu'ils les mettent parce que ça va être très compliqué sinon. Donc je peux déjà m'estimer heureux de rentrer à 0-0 à la mi-temps. Donc on essaie de remonter un peu le curseur à la mi-temps et de proposer aux joueurs de rentrer avec un peu plus d'engagement et d'intensité. On se fait gifler en 2 en 3 minutes, je crois. Donc là, le match était quasiment plié. C'est pour ça que vous faites un changement dès la mi-temps ? Non, Stéphie m'avait dit qu'il avait pris un coup sur le mollet et il ne pouvait pas continuer. Donc on a fait le changement avec Yonder Cadiz. Bon, c'est un hémato. Enfin, je pense que c'est un coup. On fera un état des lieux demain là, en rentrant à Dijon. Devant aussi, vous avez peu pesé. Vous cadrez une fois par un temps, en plus sur une frappe assassine depuis le 10 ans. C'est aussi latent, peut-être, ce manque de poids offensif. C'était un peu le sujet de ma causerie, c'est de mettre un peu plus de caractère lorsqu'on avait le ballon et d'être un peu plus dangereux, parce que je nous trouvais aussi, timoré à Lyon sur la première mi-temps. Et j'ai eu des attaquants qui ont eu du mal à se mettre dans le sens de la marche. Et pour les défendre un petit peu, j'ai pas eu non plus pour les alimenter, donc il manquait beaucoup de choses. Si je positive un petit peu, on l'a trouvé un petit peu sur la fin. Yonder Cadiz était un bon point d'appui. On a retrouvé de la profondeur, on a posé quelques problèmes, mais c'était déjà trop tard. Oui, bien sûr. J'ai surtout cherché des éléments qui vont avoir du caractère sur les prochaines semaines. Parce que j'ai trouvé que j'avais beaucoup de joueurs qui s'étaient liquéfiés ce soir. Et ça, j'aime pas trop. Manquer de sérénité et disparaître dans un match qui était important, qui faisait partie de notre championnat. J'étais déçu par le rendement de certains. Là, brûle pour point, pas vraiment, mais c'est tellement aux antipodes de ce qu'on avait pu dégager sur les derniers matchs, parce qu'au moins on avait cette solidité défensive et cette abnégation, là, elle a éclaté en plein vol. Alors la décision, je ne discute pas, parce que bon, le VAR est là pour ça, mais par contre, je ne comprends pas la longueur de la procédure. Il me semble que s'ils ont un doute... dans la cabine, que l'arbitre se déplace et décide de son propre chef. C'est lui qui reste le décideur. Mais on était dans un temps fort, on attend pendant 7 minutes sous la pluie. Et avec des adrégions interminables, je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Mais je ne me réfugie pas derrière cette décision, la longueur de la décision pour expliquer la défaite. Qu'est-ce que tu as pensé de ton binôme au milieu de terrain? Écoute, tu me parles de mon milieu de terrain, mais on pourrait parler de tout le monde, on pourrait parler de la charnière, des latéraux, des excentrés. Donc j'ai pas envie de parler d'individualité. Je mets à peu près tout le monde dans le même sac, on n'était pas loin de l'ensemble vide. Donc voilà.